Pour moi, ça part des doubles confrontations contre la Real Sociedad. On a mis tellement d'énergie dans ces deux matchs qu'à la fin, avec les deux défaites, ça nous a mis vraiment un coup au moral et beaucoup, beaucoup de déceptions. On le vit très mal. Le niveau de Lyon, il n'a rien à voir avec ce qu'on a montré les derniers matchs. Ça, c'est un niveau qu'on ne devrait jamais montrer. On met un peu la faute sur les jeunes, mais pour moi, c'est tout le monde qui est fautif. Il y a un manque de dialogue entre les anciens et les jeunes. Au lieu de tirer toute l'équipe vers le haut, chacun reste un peu dans son coin. Et je pense que c'est ça qui fait que le vestiaire est un peu séparé. Il faut que ce soit homogène dans l'équipe. On ne peut pas viser le haut du championnat en mettant une équipe de CFA, c'est vrai. Mais je pense que les anciens ont besoin des jeunes et les jeunes ont besoin des anciens. Pour moi, ça va dans les deux sens. Et si tout le monde comprend ça, je pense qu'on pourra faire de très belles choses. Vous avez été écarté pour raison disciplinaire. Oui, j'ai été écarté pour raison disciplinaire. Pour ma part, on m'a reproché des petites erreurs professionnelles. C'est vrai que je reconnais, j'assume avoir fait quelques petites erreurs. Des petites erreurs dans le groupe que je ne citerai pas, mais ça reste dans le groupe. Je suis quelqu'un de sensible à l'écoute et on me met une image un peu de voyou. C'est vrai que dans mon jeu, j'ai tendance à peut-être être comme ça, mais on colle le jeu par rapport à la personne. C'est ça qui m'énerve un petit peu. Qu'est-ce qui peut faire croire dans votre jeu que vous seriez des fois arrogant ou nonchalant? Comment je cours, ma façon de penser sur le terrain, de m'arrêter, repartir, changement de direction, c'est un peu une forme de nonchalance, mais pour moi, c'est ce qui fait ma force. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un club qui croit en vous? Je vais tout faire, notamment dans le travail au quotidien, pour pouvoir répondre aux attentes et être le plus décisif pour mettre le club le plus haut possible. Pour l'instant, j'ai tout approuvé, j'ai encore rien fait en Ligue 1, donc je vais m'imposer dans ce club, donc je suis dans le projet. Ben Arfa, Benzema, Benzia, c'est pas mal, non? Ça, c'est des noms qui se ressemblent, mais bon. Chacun a sa carrière. Il y a un point commun, quand même. Ouais, entre les noms. Non, mais le talent qu'elle a. Il va falloir confirmer et il va falloir le prouver. Je ne me pose pas la question sur l'Algérie. Je suis né ici. C'est ce qui m'a ouvert un peu les portes de ma petite carrière pour l'instant. Je suis très reconnaissant envers l'équipe de France. Je suis très honoré de porter ce maillot. J'espère le porter un jour avec Léa.